Salutations aux nombreux téléspectateurs et aux nombreux abonnés qui nous suivent en ce net moment. Vous avez très bien fait de choisir cette chaîne pour vous informer. Et nous allons croire que ce travail que nous nous cessons de faire, de réaliser, c'est d'abord vous qui êtes le premier bénéficiaire. Et nous devons le faire aussi de façon professionnelle. Voilà. Vous informer, c'est notre devoir. Vous transformer aussi, de façon positive, c'est notre devoir. Doudou Montiri est là, au micro, et Moron Djambé, qui essaye encore davantage de professionnaliser son travail, comme d'habitude. Moron Djambé n'est pas seul, il y a aussi Alain Kabongo et toute l'équipe qui travaille pour votre bénéfice d'abord. Nous recevons pour vous un grand. Il est grand par son savoir-faire, par ses connaissances, par ses maîtrises dans différents domaines. Il s'appelle professeur Norbert Yambayamba, panafricaniste. Vision panafricaine. On va en parler. On parlera aussi des différentes actualités. Et surtout, le projet de loi, surtout le budget de 9,8 milliards, il donnera son avis, les différentes marches projetées la semaine prochaine par le bloc patriotique, celle CFCC, la Mouka et les autres. Est-ce qu'il faut continuer avec ces différentes marches? Est-ce possible qu'on puisse dépolitiser la CENI? Les terres des en marche, il faut l'arrêter, par quel mécanisme? C'est ça notre questionnement. Et notre invité va répondre là, pour ces questionnements, donc partant de ces différentes réflexions. Nous parlerons aussi de notre diaspora, son apport. Et ça suivra peut-être le point qui est plus important, vision panafricaniste, panafricaine. Le panafricaniste que nous recevons va nous éclairer. Qu'en est-il de cette vision? L'inauguration de l'université, qu'est-ce qui bloque? Qui ne comprend pas cette vision? C'est vous qui nous suivez? Parce que le visionnaire est là. Mais la mise en place, ça prend du temps. Pourquoi? Alors, on va en savoir. Bonjour et bonsoir pour ceux qui vont nous suivre le soir. Monsieur Norbert Yambayamba. Bonjour, bonsoir. Nabaïnyo so'o baza Rolanda Bisso. Na sepeli Doudou Ndengo Zongye Linga Susu, na pesi Moron Djambé, Aleka Bongo, Bino Banso Mbote Mbote. Franchement, tout ça, moi, Mikolo, tout ça, c'est émission T. Et ça bien que le Tokutana, Tokobana, Misalane, tout ça, il a gagné. Tout ça bien. Na sepeli là, que tout ça, l'émission qui toko et sepeli, ça peut battre. En tout cas, merci. Merci, professeur Norbert. Rapidement, là, mon tour est à l'actualité d'abord. Tout le monde qui passe aux questions d'actualité. Tout le monde est à la marche. Tout le monde analyse la marche à Liboso, il y a bloc patriotique. Et la série, il y a la marche où ils ont projeté la semaine prochaine. Dépolitisation de la CENI, c'est un peu ramé longue. Celle-ci, FCC, la Mouka, bon, l'Église catholique, le SCC, tout ça. On peut dépolitiser la CENI, c'est possible. Et on dépolitise en haut. Ram et Longwa, est-ce que c'est un cas en marche? Merci, merci Ndego. Depuis un certain moment, c'est vrai que Nasepela est sous Kolobé la Mara modèle ou Anati, surtout politique Nabisso. Ils en ont trop. Ils en ont trop parce que tout ça, on va me dire que tu sais, on se poser la question, le problème est telle population, etc. Entre temps, la population, on va se rouler là chaque jour. C'est tellement que ce que je veux dire, moi bien, moi voiture bien, moi moutouka bien, moi ndawa bien. Le bar à ceux qui sont politiciens, tous députés, tous anciens ministres, tous ministres, etc. Et donc, ils n'ont pas si mis. Oui, Doudou, tout ça, on a 145 territoires.
ndé mondé la tikabiso ce que du territoire mon corps ils ont le rôle à pays. Je prends par exemple le territoire à Lomela na Sankuru ils ont même superficie que le Rwanda. Ils ont les Kakutu Rwanda de 36 km carrés. Ce que j'ai par exemple Kimbanseke, ils ont pratiquement la même population que la République à Gabon, mais Kimbanseke ils ont 2 500 000 personnes, tandis que Gabon ils ont 1 500 000, toute proportion réservée, Toko Komati, Mikolo, ils ont 2 millions. Tala Akaka. Kinshasa, ils ont la capitale de la tout ça au-delà de 15 millions de personnes. Zo Congo Brazza, place à Vieille Sasso, ils ont 4 millions à 5 millions de personnes. Dans la ville de Ngezana, na Congo Brazza, dans la ville de Ngezana, Kinshasa Nabiso, ils ont passé. Alors, ma politicien Nabiso, un, ils sont très habile. Pour un problème d'Italie, il y a activisme. Ça veut dire, si tu as la population, tu as déjà depuis 1960. Le modèle à Kambouana et Salima à Nango. Bon, les résultats, ils animent. Tu as 80 ans de colonisation, tu as 2 ans de dictature perfectionnée à Maréchal Mobutu. Tout ça, il y a 22 ans, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il faut libérer dans l'Ouest. Résultat, il y a quelques personnes, il y a un peu de temps, il y a un building, il y a un bassi, il y a un voyage, mais ne serait-ce que quand il y a une école, il y a une école, il y a une école à l'État. Tu as 145 territoires, bah, donc, tu as chaque territoire, tu as une école. Il est le Kenya dans le territoire, il y a beaucoup d'écoles. Ils passent. Et donc, on dirait, la politique, nationale va comprendre, et là, on va ressaler là. Alors, Mobutu Ayaki, Aliaki, bon, Kabila Aïe, Toli Alourande, Mobutu Souba Aliaki. Et voilà, la situation est en haut. Certainement que l'UDPS a une expérience de combat, depuis à Sali, opposition, etc. Mais il faut que, bah, il faut achamolende pour les différents, la nyosoto monaki, na ba régime ou iléka. Et je crois que tous les sens à combat, Mokonzi, Azagomi Pesa, encore que Az a l'accompagné naturellement, à partir et à partir, et na ba institution va mettre en place. L'institution Angonini, ils ont Parlement, Assemblée nationale, Assemblée nationale, à niveau de la province, tout ça, le gouvernement provincial, l'Assemblée provinciale, à niveau de la ville, tout ça, le maire de la ville, le conseiller urbain, le conseiller en hôtel, qui est dans le village. Talakaka. Qui est là, l'élection locale, il y a le maire de la ville. Il y a des conseillers urbains, des communes, des bourgmestres, des conseillers communaux, il y a des secteurs, chef de secteur, des conseillers, des conseillers dans la chefferie, dans les salaires midiens. Et pourtant, la constitution de la mission, ils ont appliqué depuis, ils ont promulgué depuis le 18 février 2006. Ça va faire 15 ans. Les lots. Alors, personne ne se préoccupe de ça. Personne ne se préoccupe. De ça, on se préoccupe quand il y a l'élection présidentielle. De ça, ça lit 3 fois par l'élection présidentielle. De ça, on va président, on va dire qu'on va avoir l'élection présidentielle. Voilà. Yébissanga. La province la plus éloignée en Mbokarabiso. Et ça, c'est Kivu. Ce qu'on voit, c'est Kivu, ce qu'on voit, c'est dans le territoire, c'est dans le le territoire est ouvert. Un rayon tombe sur 200 km. Ni la moindre celle Makuna. Quelles sont les remarques générales que l'État Zali et Zawapi? Alors, pour la Ninango, les politiciens, les cause de la mécanicité,
certainement que décision est vraiment acquise pour restructurer la géographie en Bokanabiso à travers la décentralisation. Et même, certainement que les autres sont tous les organes, etc. Tout le monde est en train de faire l'élection présidentielle. Moi, je suis en frigo. Tout le monde est en élection locale. Parce que l'élection locale, le maire de la ville a un budget, a un programme. Le budget est là. Et ça, c'est un programme. Pour Asala, Makambo, Italie, il y a une ville, il y a une province. A un budget, a un programme. Oyeko Sunga qui a travaillé pour la province Naé. Commune, à sa budget, à sa programme, à sa appel à la ministre Naé, au babé échevin. Nemo, comme chef de secteur, n'a pas échevin, n'a pas en haut. Ti, n'a chefferie. Tu es un chef de chefferie, certainement qu'il vient par l'affiliation, mais bah, ministre Naé, baza bateau, baza recruté sur base, il y a un profil. Baza la budget, baza la programme, n'a pas en haut. Et que ce qu'on a dit moyenne, n'a pas encore eu un exemple, il y a Kimbanseke, 2 500 000 personnes actionnaires. Et donc, tu as là dans Gabon, ce qu'on a dit à Libreville, ce qu'on a dit dans la province, etc. Ou comment on a réalisé ce minin. Et bien, pour nani nango, Gabon est comme ça, ma camodène, nani est comme ça, Kimbanseke est comme ça, et que Kimbanseke est une population colique. N'a bien, le lorsque tu as dit ça, la marche. Et là, on est en haut, c'est la priorité. Parce que l'entité territoriale décentralisée, c'est ce qu'on appelle la république. Ça veut dire qu'on fonctionne local la république. Budget, programme. Parce que programme n'est pas un projet. Projet, c'est toujours un chiffre pour tout résoudre le problème en Zéla, tout résoudre le problème à logement, tout résoudre le problème à l'école, tout résoudre le problème à la santé, tout résoudre le problème à l'alimentation, etc. Kuna et Lokomorote, trois cycles. Ça va faire 15 ans, 16 ans. Et Lokomorote, oh, présidence de la République. Distance, il y a Kinshasa, Tissit Kivu. Oh, c'est la province la plus éloignée. 2000 km. Ndemoro, Nakatang. 10 mois. Nangweshe Kuna. Nakazé Bakuna. Bazan, problème, un pont. Bah, autour de ça. Et même ceux qui ont ça, qui ça quoi intervenir quand. Mais entre-temps, il y a un quasi, il y a un peu de temps, il y a un chefferie, il y a un républicain, il y a un budget, il y a un programme. Non seulement, il y a un gouvernement central en termes de rétrocession, il y a un peu de province parce que la quantité, moi, je suis gardé, mais il y a un taxe, il y a un impôt, il y a beaucoup de mobiliser les moyens sur le plan local. Et que tant que on a lié aux là, que toi tiri et longue na kata ya école na yo, ou qu'on remplace manzanza en attendant que ça s'assonga. Ah, comment? Encore que restructuration géographique, décentralisation na biso senga ki, province nde mutoaza en charge. Ya makambeteli ya école, éducation. Curieusement, noko doudou, ti lelo ba mesi d'application na insalimité ba loi. Sur ma Kambango, il y a enseignement primaire et secondaire, il y a solo et Zali. Mais non, mais d'application est logodé. L'agriculture est un secteur décentralisé. Mais d'application est logodé. Développement rural, secteur décentralisé. Mais d'application est un. Santé est un. Loi est Zali. Mais d'application est un. Donc, la loi nous est salement. Et qu'on a l'application. Alors, n'y a quoi actionner Yango. Alors, les hommes politiques, non seulement ils ignorent ça, mais ils sont toujours en train de chercher comment devenir président de la République. Et peut-être devenir président de la République pour faire ce que Mobutu a fait, peut-être pour faire ce que Laurent Kabila a fait, ce que Joseph a fait, etc., pour faire ce que tu sais qu'il fait. C'est ça. Et alors, et notre peuple, population Nabisso, je connais un moment où il y a classe pour moi, c'est gratuit. Mais ce temps, il y a des gens qui ont été en train de se faire. Mais ce temps, il y a une classe. Mais ce temps, il y a une primaire qui a été en train de se faire. Budget, il y a enseignement primaire et secondaire. Et ça, c'est 26%. Le budget, il y a une revue.
1983, avec les mesures d'ajustement structurel, il y a Fonds monétaire international. Dans l'université, tant que tu as commis, Bissot Bandi, dans les années 80, dans l'université, tu as qui n'a bourse, tu as qui n'a restauration, tu as qui n'a transport. Oh, mais tu n'as rien fait. Oh, coutou. Budget Zaki Mouké, ça ne dépassait pas 1 milliard de dollars. Mais Moutou Zaki n'a moins d'un milliard de dollars. Pour la nuit, bourse, c'est pas ça, Magui. Pour la nuit, restauration, Zaki. Pour la nuit. Alors, ce qui, Fonds monétaire international, il y a qui, pour briser la dynamique sociale, Nabizou. Qu'est-ce qui nous empêche, avec les 22 ans, il y a filière kabiliste. Comment négocier? Dès lors déjà que tu as un budget à 10 milliards, c'est de tout ça que les hommes politiques doivent discuter. C'est de tout ça qu'ils font, peuvent faire l'analyse dans le laboratoire. Pour que Banabas soit bourse, comment ça va se passer? Les autres ont un budget à 10 milliards de dollars. Mobutu a maintenant qu'on pèse à moins de 1 milliard de dollars. C'est de tout ça, Ndikouranga. Alors, on a un bloc patriotique. Bloc patriotique, madame. Les gens qui se sont organisés depuis plusieurs années comme ça, enseignés à piller systématiquement la République. Moi, je suis avec ça. Bon, ce que tu as, la calquine, et Zoueli, il y a un niveau où il y a ça, il y a dépense. Non, on s'est amusé avec notre pays. Alors maintenant, au lieu de faire des priorités, on va venir dans l'ombre de réarchisation des besoins. Des priorités, etc. Ni n'a pas bloqué mon cannabis. Ah non, bloc patriotique. Il y aura une situation où le bloc patriotique, c'est beaucoup de patriotes. Patriotes, c'est le loni. Qui n'a pas été impliqué dans la gestion de la République parmi Bangonyo Sundeba Liwana? Qui n'a jamais été impliqué? Bangonyo Sundebazaki, la gestion de la République. Et on connaît les résultats. Aujourd'hui, nous avons un peuple qui n'a pas un mental. On se conduit comme des sauvages. On a tout détruit. Le foncier est très grand. Au lieu véritablement de faire l'évasion pour dire, aujourd'hui plus que jamais, nous endossons la responsabilité. Tout ça à la bonne, de manière que nous puissions construire l'unité. Et que toi qui es libosso. Parce que nous, la classe politique, nous avons décidé. Ah non, il y a un groupe qui s'autoproclame patriote. Patriote en quoi? En fonction de quels résultats? En fonction de quelle expérience cumulée? Ah non. Mais je ne refuse pas, naturellement. Que les gens s'autoproclament à quelle dénomination soit-elle. Mais je ne voudrais pas aussi contester que les gens fassent des revendications. Je ne voudrais pas aussi contester que les gens puissent marcher. Mais je dis, il faut faire une marche utile. Une marche utile, ce n'est pas la dépolitisation. Dis-moi, moi je suis doctriné de la société civile. J'ai écrit plusieurs livres sur cette question. Dis-moi, quelle est cette société civile qui n'est pas politisée ici? Qu'on identifie quelqu'un comme ça, là, qui est de société civile, et qu'on dit il n'est pas politisé pour qu'il puisse prendre les responsabilités. Ah non! Nous sommes dans une situation où la société est en détresse, la situation où la société est en difficulté, la situation où la société est polluée. Il faut donc faire une réhabilitation. Mais il faut aller dans une logique d'innovation. Sortir des sentiers battus. Non, qui marche. Oui, on en a toujours fait. On ne va pas arrêter, ça c'est évident. Mais je voudrais dire qu'on n'arrête pas, mais il faut savoir apporter des nuances. On en a tenté. Combien de fois on a parlé de la dépolitisation de ce pays? On en a parlé. Quelle est la formule de la dépolitisation? On parle de la société civile, mais cette société civile est complètement divisée, compartimentée complètement. Et au coup, la société civile, elle a soutenu l'opposition. La Mouka, la société civile, elle a soutenu l'Union sacrée. Donc, nous n'avons pas une société civile. Et puis, je vous donne un exemple, par exemple. Il y a Guinée, dans Alpha Condé. Comment il y a une situation où tout était politisé, à telle enseigne que les politiques ne se faisaient pas confiance. Parce qu'en principe, c'est le ministère de l'Intérieur qui a la responsabilité d'organiser l'élection. Mais ce que le ministère de l'Intérieur devient partie prenante, c'est qu'il devient juge de parti. Moyen qu'on continue à être. Et c'est ça justement la formule au Bachaki Seni. Malheureusement, à partir du accord de Saint-City, société civile
rôle na yango ezali ko sala monitoring de l'action publique. Société civile les gens rôle na yango ko sala contrôle citoyen. Société civile rôle na yango ezali ko suivre ko contrôler ba homme politique ba za na responsabilité quotidienne na mboka na biso. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ba pesa ki ye quota. Autant de ministères pour aller, autant d'entreprises pour aller, etc. Société civile a aucun goût, goût et pouvoir. Et comme ici, comme Moutamoutou, j'ai créé mon association, je soutiens tel, sans gêne. Où a-t-on vu un pays? Où Moutakou Zalanaï, na moi, quoi qu'on sonne, il y a ta moukete. Où les associations naissent comme des champignons chaque jour pour faire des déclarations incendiaires, parfois incantatoires. Qui frise une certaine légèreté, un système de pourriture intrinsèque. C'est pas normal. Et c'est cette société civile-là qu'on va parler, on va appeler dépolitiser. Moi, j'ai dit non. Je vais vous donner l'exemple. Il y a Guinée-Conakry. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés au Mali chercher un général à la retraite qui était très spécialisé sur la question électorale. Et puis, bon, Balobino, il y a moyen. Il y a Osunga, Bissopo, le quoi. Bah, opposition, la majorité, bah, au Canada, tout ça, mon conabisson. Et c'est comme ça que général Walayaki, Tibassa qui va élection. Imaginez-vous, mon roi général, Alpha Condé à l'époque, n'a premier tour à Zahir à 20%. Donc, mon souci à Zahir, Bossonae. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et après, le quoi, l'élection est salée, Zahir était tellement transparente, démocratique. Alpha Condé a Matiti a gagné l'élection. Lui qui n'avait pas de l'argent, lui qui n'avait pas vraiment de soutien comme celui qui était avant lui. C'est ça ce qu'on cherche. C'est ça ce qu'on cherche. Donc, est-ce qu'il faut véritablement faire des marches pour cela? Faire la même chose qu'on a fait avec Mobutu, faire la même chose qu'on a fait avec Kabila, et il faut faire la même chose avec Tshisekedi. Moi, j'ai dit, c'est manquer d'intelligence. C'est manquer d'intelligence. Et je suis très désolé parce que la classe politique, au travers de ma parti politique, ni ma plateforme, ne font pas une réflexion basique dans le sens où il y a que l'on a une vraie solution par le mot cannabis. Mon moko à l'ingi, après ça, la déclaration, à la qui s'est dit, oh, tel, hasard, n'a ma bé, de telle chose, après ça, il y a confiance. Et puis, lobby a rebondi, pour que, oh non, on a quoi ça, là, mettons, on a quoi, on a ça, l'autre. On a ça, l'autre. Nabi, hein? Naba politique de tous les partis politiques. Tous plus de 700 le haut. Est-ce qu'on y a aucun parti politique, moi encore, à Zakobi, moi je vais faire ceci, moi je vais faire cela, je vais faire cela. D'abord, ma parti politique, sans qu'on l'opposition, a commis un couteau tiré dans le bateau en pouvoir. Boyo Kanizate. Yo, on a chargé l'environnement. Et n'attend que Boyo Kanizate, moi yo kende. Et pas il y a ministre, par exemple, l'environnement, aucun n'est une administration publique et environnement, on s'est dans une situation, tout ça va combien de lois, quelles sont les grandes décisions stratégiques, et puis programme d'amener les animes. Ils ont beaucoup à l'abisoter. Il faut qu'il y ait interaction entre les hommes politiques. Mais discussion, mon co, ils ont ça les matins. Bon, fin de pas l'abino. Donc, on a découvert, ma caméra, mon colo, va comprendre sa bino pouvoir. Et bon, on s'en a un an. Au salarié. Au salarié. Et le courant n'a pas de côté n'a bon moyen à avoir une politique. Quand il y a un journaliste, il y a une investigation. Je te félicite tout le temps dans ma parti politique. Mais moi, j'aurais aimé au lieu qu'il y ait un bureau dans ma parti politique. Mais quand il y a une place sur le réunion, et tant que le réunion, il y a une thématique ordre du jour et Zanine. Jamais dans un parti politique, au coup d'ordre du jour, Ezali, quel est l'état de la situation agricole? Quel est l'état de la situation environnementale? Quel est l'état de la situation de route? Nous avons combien de potentialités en termes de route, en termes de bacs, en termes de ponts, en termes de voies fluviales, en termes de voies ferroviaires, etc. Et l'eau qu'on a été. Mon côté, pas ça, là-bas, donnez-moi les athées. Aussi, oui bien. Sincèrement, ce qui est le plus important, nous avons des minéraux. Nous avons des minéraux. Oui, minéraux. Minéraux. Nous avons utilisé quelle technologie pour trouver la quantité de minéraux?
banane ango basa ko identifier ténère minéré na ba place ba espace wana eza ba société ba uta libanda bango ne bazan secret kende na ba place o ya biso zambe zali ba nzete zali etc. Est-ce que kende na ministère environnement soki ba ko la kisayo oto bengi aménagement oto bengi aménagement forestier poto yeba kibaje ya ba nzete o eza ko telema avant de te la yango ba tu ba entreprise ba concessionnaire ba zo somba tu es bien ngote ba zo pesa ba concession sur base ba paiement etc. Mais kené na mboka lokwa ba Équateur kuna na bikoro nzete ya osaka nate ba société forestière ezanga te ba oui société forestière mais kené na bureau ya beaucoup mais ya administrateur du territoire mais maintenant kiti ya koyamba ba tu ezati. Entre temps, ma société, on a besoin de 4 ans, c'était dit matin ou soir. En dehors même, il y a critères. S'il vous plaît. Moi, maman Evalingi, tout le monde est en RDC pays solution. Bango ne dépend pas d'abisso. Il y a un petit cas de Solgan, pays solution, pays solution. Il faut solutionner que, effectivement, j'ai beaucoup aimé. Je pense que maman Eve Bazaï, Bambo, tu places à Zali, parce qu'elle a fait bonne prestation en termes de plaidoyer, dans Monaco et dans Glasgow, donc dans la COP 26, etc. Mais si comme maman Eve, il faut que ça l'année tu le crois moi réunion, bah ONG environnementale, bah administration forestière, bah commission interministérielle, oh ils ont vraiment chargé dans ma question. Voilà. On réfléchit et on met en place un programme, lequel programme il va rendre opérationnel. À se préoccuper mingi dans le programme mais oh il y a les parce que j'ai entendu les 12 mesures. Il faut savoir adapter ça par rapport à notre situation. Nous avons dit que, à tal anan, contribution par exemple à Banzete Nabiso, par rapport au produit intérieur brut, on ne peut pas aller au-delà de 1%. Mais nous avons une consultation à la Banque mondiale en Tangouana, en Kei, qui n'enverse ses places Banzete Kuzonga. 14 000 dollars, Banzete Moko, avec un diamètre de 250 cm. Et pour l'année, nous avons combien? Tu vois, on a des questions. Et puis, kende na bambo kana bazo bimisa banzete. Na kende kuna ma une norme. Na moni société za kobimisa. Abimisi 1900 wenge. Wenge moko. Il fait ça là 60 ans. Po basaba. Abota. Akola. 1900. Ba pesi. Mboka wana combien? Il fallait ba tonga ba école. Il fallait tonga ba santé. Et le kumo wote. Ba pesi combien? 90 000 francs. Et ça qui na valeur à 100 dollars. 90 000 francs à salaire à 100 dollars, valeur à 100 dollars, au rebond, sambo kana. Ce sont des choses là que nous avons. Ce sont des choses là que nous avons, que des ministres soient debout, basse et bas travailler. Pas rester au bureau en train de signer des arrêtés pour nommer les copains, nommer les amis, nommer les membres de partis politiques, etc. Mais on a besoin que nous puissions nous investir dans l'essence et à qui Makambo est changé. Vous avez un pays de 105 millions de personnes. En 2050, tu en as plus de 200 millions de personnes. En 2100, tu en as plus de 400 millions de personnes. Dis-moi. Budget, peut-être relevé en haut. Environ 10 milliards de dollars. 105 millions de personnes. Vous faites quoi? Nombre de routes. On parle de potentiel. 50 à 58 000 kilomètres de route. Le lot tout sali combien? Ah, juste 5%. Voilà. Il reste combien? Et comment on peut déclencher un mouvement de circulation des biens et des services dans un pays comme ça? Toi, par exemple, l'échange entre ma province, ça ne représente qu'un 1,2%. Mais vous êtes dans un même pays. Non, mon cher ami, il y a beaucoup de défis. C'est comme ça que l'opposition politique. Attends la présidence de la République, élection, dépolitisation, etc. Qu'ils analysent les différents secteurs de la vie nationale, qu'ils essaient de déterminer un certain nombre de critiques constructives. Parce que lobby, on ne peut pas causer la responsabilité. Ce qui est le cas, c'est qu'il y a un schéma de contestation, contestation. Certainement qu'il faut faire un dialogue, on se répartisse les responsabilités. Et donc, combien Nabi, on a eu opposant en 2006. Bisous tous en IDPS, tout boy a eu Kokota, MLC Bakota. Hein? RCD Bakota, Salina Kabila. Est-ce que Kokola a eu la trace?
trace moko ya dynamique moko oka baye etc. Tu peux me montrer trace moko et logo moko salema na mboka oyo depuis 2006 oyo zo l'accès à solo qui a une nouvelle dynamique s'est ajoutée. C'est ça aussi mon frère. C'est ça parce que on n'a pas encore touché des questions de fond, des questions questionnantes, des questions qui appellent d'autres questions. Et l'intellectuel, il est resté commandaire. L'intellectuel, il est resté en train de faire des commentaires scientifiques. On n'a pas de vrais scientifiques qui boostent la société. Des scientifiques qui ont des orientations et qui imposent ces orientations aux dirigeants politiques pour qu'ils puissent prendre une direction. Rien du tout. Il faut bien parler et vous voyez comment quelqu'un s'acharne pour normaliser la normale. Vous voyez que tel schéma, on a la PC, ça ne va pas donner des résultats. Le pays ne va pas avancer parce que tu as une étiquette que je considère avec une éthique étiquette, etc. Et donc les gens croient que non, cet homme-là, parce qu'il s'est fait appeler professeur, et donc il dit la vérité. Ah mais non ! Ah mais non ! Ah mais non ! Vous savez, Ndekonanga Doudou, ce qu'on a dit, niveau y a bateau basé en 1960. Et bien là, bah, comment une université était, parce que tant que nous avons indépendance, on avait 13 universitaires seulement. Et bien là, ça y a littéraire. Mais bateau basé se distinguer. On va prendre engagement là-bas pour nous changer beaucoup. Et ça bateau basé qui n'a pas classé. Je commence par Patrice Lumumba, qui est étudié à travers le monde. C'est un esprit supérieur. Parce qu'on est en train de se tromper, de considérer que les diplômes, c'est l'éducation. Ah non, les diplômes, ce n'est pas l'éducation. Les diplômes, ce n'est pas la formation de la personne. Les diplômes, c'est un symbole. Et donc, nous avons besoin aujourd'hui, plus que jamais, des hommes et des femmes, quel que soit leur niveau, mais qui ont un esprit libérateur, un esprit d'émancipation, qui savent nous donner une torche qui éclaire notre chemin et qui nous donne des orientations dans le sens que nous puissions véritablement changer notre pays. Il faut aller jusqu'en Afrique, ça c'est évident, parce que la situation est presque la même. Comment pouvez-vous imaginer des gens comme Patrice Lumumba en 1960, il avait 30 ans, mais il a accepté la mort au fleur de l'âge, 35 ans, à Tikibasi, à Tikimwasinaï, à Tikibanaï. Et on lui donne l'argent. Bah, Belge va voter un budget occulte de 7 millions d'euros. Babi va passer à Congolais, notamment Lumumba. Pour Andy Mabiso, parce qu'il s'est évolué. Mais Lumumba n'a jamais accepté la corruption. Mais pour Nani, il y a un doctorat, même il y a après-midi, etc. Et puis on leur donne des responsabilités. Chacun veut s'enrichir de lui-même. Chacun cherche à se positionner de lui-même. Critères d'excellence et athées. Critères d'excellence et athées. Quand vous faites un combat, il faut chercher le meilleur d'entre nous. Et le meilleur sortant d'homme. Même sur les champs de bataille. Vous savez que vous êtes dans une salle d'urgence et vous envoyez des stagiaires. Vous vous entendez quel résultat? C'est trop fort. Hein? Vous entendez quel résultat? Salle d'urgence, vous envoyez des stagiaires. Parce que ce n'est pas le fait d'avoir été, avoir tel. Influence auprès, par exemple, des chefs d'un groupement politique, etc., que vous savez gérer la République. Non, la République, c'est autre chose. La République, c'est autre chose. Et donc, on est dans cette situation compliquée. Une situation n'a évité. Si l'on ne paye pas le droit à la contestation, pour dire, plus jamais ça, on va continuer à faire des sit-ins, on va continuer à faire des marches, on va continuer à faire des déclarations qui n'ont aucune importance. Doudou Nangaï, Lelo Oyo, si dans l'hypothèse de Babino, président de la République Akende, Félix Stéti, Akende, Lamouka Yaka, Nalamouka Isaka Martente, Nalobi Lamouka, grand, Poilou Moussouba Ali, Jean-Pierre Bimba, ensemble, Asanio Sacré. Ah, ok. Mais, qu'est-ce qui va se passer? Quelle devra être la formule, Yabisanga? Vous avez, dans 20 ans, on aura 200 millions de personnes. Vous avez quelle magie pour changer la situation?
Ils ne disent pas. Ils disent simplement la dépolitisation. Est-ce que tu comprends ce que c'est la dépolitisation? Je me suis beaucoup, je suis dans une émission désintéressée où j'apporte mes idées pour faire avancer mon pays. Je n'aime pas parler des gens. Mais je dis que non, c'est une faiblesse de la classe politique, de l'élite politique. Non, il n'y a pas d'élite politique. Il y a des diplômés politiques. Comment ça? Il y a des diplômés. Hein. Les diplômés politiques, ils sont des acculturés. Les gens qui ont été à l'école, qui ont reçu les diplômes. Mais pas des gens qui ont... qui sont des élites éclairées, qui savent voyager dans les temps 50 ans, 100 ans, et qui reviennent et qui embarquent les gens. Parce qu'il a la torche et il se voit à l'avenir. Ces gens-là n'en ont pas. Ils ont simplement le privilège d'avoir un diplôme. Ils ont simplement le privilège d'avoir voyagé, je ne sais pas, dans tel ou tel pays. Ils ont simplement le privilège, je ne sais pas, d'avoir autant d'amis à l'extérieur, etc. Mais ils n'ont aucune efficacité, aucune efficience pour développer un pays. Et c'est ce que nous sommes en train d'assister. Parce que comment pouvez-vous imaginer la province de l'Équateur? Et ça, c'est qu'on a quatre provinces. Et dans quatre provinces, est-ce que sont Mona? Quand on a Google, Otawa Lukana programme, par exemple Sidoubang, par exemple Mongala, par exemple Chuapa, par exemple Équateur, Luka Yango. Et autant dans Internet, on a à quel niveau Bazali? Pas un exercice tel. Non! Mbouki ne changera pas Pamba, tiens! Mbouki ne changera pas la déclaration, tiens! Tant qu'on ne change pas notre manière de faire les choses. Non! Nabi, hein? Il y a Côte d'Ivoire. Je ne suis pas très d'accord avec le président Zakouna, etc. Il est sur la ligne des impérialistes, etc. Mais quand même, Azana, moi, expérience Moukena est sur le plan managérial. Et après la guerre qu'il a opposée à Laurent Gbagbo, qu'est-ce qu'il a fait? Il a recruté un cabinet, il y a un bureau d'études pour rechercher le meilleur des Ivoiriens. Rassurer tous les Ivoiriens qui étaient à l'extérieur, parce qu'on va parler de l'Espora. Et donc, ils ont créé des conditions pour permettre à ce qu'il y ait un investissement à Bango, il y a une technique. Ma pépé, on va responsabilité. Le lot, oui, mais métro, dans Côte d'Ivoire, en Abidjan. Le lot, il tramoué, en Abidjan. Vous comprenez? Il y a 6 universités, il y a 6 cas, standard international. Pour ne citer que ça. Vous comprenez? Alors, ça dit, mais c'est tout canicique. Parce que Moutouaza est licencié, parce que Moutouaza est docteur. Et qu'il est capable de réaliser. Parce qu'une chose, c'est d'avoir un diplôme. Mais une autre chose, c'est d'avoir la compétence pour assumer ces diplômes-là. Or, la plupart des non-diplômés sont des abrutis fondationnels, sont des diplômés culturellement analphabètes, des diplômés imbéciles. Considèrent... Trop d'insultes. Non, ce sont des... Quand je dis abruti fondationnel, c'est dit basant en fondation, basant en racine. Racine, il y a Bissot, il y a ma valeur, il y a Bissot. Mais basant la valeur, il y a occidentaux. Or, la valeur occidentale, elle correspond à la réalité de tous les gens. L'imbécilisation, ça veut dire en croyant qu'il n'y a que l'Occident qui a l'idéal civilisationnel. Il n'y a que l'Occident qui a la référence, l'unité de mesure. Or, ce n'est pas ça. Et nous avons tenté pendant 61 ans d'imiter l'Occident, ça ne doit pas donner de résultats. Et donc, il faut une université changer et générer des diplômés qui sont des chercheurs dans la tradition africaine, qui d'avoir des chercheurs dans la tradition occidentale. C'est ça ce que je parle de l'imbécilisation. Ce n'est pas une injure. Moi aussi, je suis un intellectuel imbécilisé complètement, mais qui est en train d'ouvrir les yeux pour chercher la direction. Donc, je ne m'adresse pas à personne. Mais je généralise pour dire que le système éducatif produit des chômeurs de luxe. Très bien. Chômeurs de luxe. Il faut arrêter ça. Il faut revisiter ça. À partir de l'école primaire, secondaire, université. Il faut revisiter le système religieux qui nous a incarcérés. Il faut revisiter le système politique qui nous a amené cette fameuse démocratie qui ne nous permet pas véritablement d'avancer parce qu'il y a toujours des conflits récurrents. Les uns chantent aujourd'hui qu'ils ont gagné. Les autres, au même moment... ils contestent. Si ces autres-là viennent, eh ben, ils vont dire on a gagné. Et les autres qui sont à côté disent non, on conteste, etc. Et on va
aller de contestation à contestation. D'où la nécessité d'avoir des hommes et des femmes, politologues, juristes, pas à l'occidental, mais des gens qui véritablement sont fondamentalement ancrés dans la tradition, qui construisent l'enracinement et le particularisme de notre continent. Ceux-là peuvent naturellement nous inventer un autre système démocratique à la différence du système occidental qui est un piège et qui nous divise. Vous ne pouvez pas imaginer, on n'a pas de clivage idéologique et politique, mais les gens ne peuvent pas s'entendre. Aujourd'hui en France, ils sont dans une situation d'aisance, ça c'est évident, mais la France s'organise parce qu'ils estiment que démocratie n'a pas commis, déjà démodée, dépassée. Bengi, opérateur économique, chercheur, des grands intellectuels, chef Nabango, pour réfléchir, pour le système Moussous. Oh, il y a des Zalandais. L'université, nous sommes là, exposé mon littéraire. Autant de publications, ils ont salé, livre de positionnement. Si mon tazar professeur, il n'y a comme professeur, tazar professeur associé, il n'y a comme professeur, professeur, il n'y a comme professeur ordinaire. Mais quelle est l'utilité? Non, il y a beaucoup de tel article, ça est-il pour la société? Et de l'autre côté, combien de thèses? Je m'excuse beaucoup. Surtout actuellement, on produit beaucoup de thèses. Est-ce que ces thèses rivalisent avec les idées? Et ce sont des thèses de positionnement. C'est-à-dire, Babenganga, on a gagné un peu plus, Babenganga, professeur, et ça fait du bien parce qu'on m'appelle professeur. Ou ce sont des thèses, ou les gens qui font la fenêtre, ils ne peuvent pas s'amuser à l'autre, ils avancer. Combien des Occidentaux ont pensé que Biden a bango dans tel ou tel secteur de la vie, il y a un monde qui conduire, il y a un monde qui changer la situation de la vie. Mais qu'est-ce qui explique que tous ceux qui produisent des thèses, ils ont des juristes, ils ont des sociologues, des politologues, etc., et qu'il n'y a pas de thèses qui rivalisent les idées occidentales? La thèse union sur caca. Bertrand a dit ceci. Karl Marx a dit ceci. Lénine a dit ceci. Tous les textes. Ou qu'on coûte caca, citation yabango. Oh, ce sont eux qui ont réfléchi. Est-ce que Babosani Victor Hugo, comment il a parlé de la racialisation? Mais comment on peut rivaliser toutes ces thèses-là? En fait, l'Afrique disparaît. L'Afrique est en train de disparaître. Heureusement qu'il y a des gens qui sont mettant debout dans le cas du panafricanisme. On apporte ces messages-là. Qu'en est-il de cette vision, parce que nous sommes arrivés au terme? Bon, nous sommes en train de travailler. Je crois que vous l'avez dit la dernière fois que Makamoto Zoloba, quand on est à Zoloba, Makamoto Zoloba, non. Sur le terrain, tout ça qu'on construit, tout ça qu'on finalise déjà, centre d'études pour la Renaissance africaine, université africaine avec une nouvelle vision et un panafricanisme. Kuna, tu verras l'inauguration. Kalamingite, inauguration. Donc on formé des millionnaires. Le président Zolo a dit non, il faut avoir des millionnaires. Écoutez, ça ne se décrète pas. Bissot, tu as installé pour fabriquer des millionnaires. Parce que le millionnaire, ça partit de l'esprit. Et donc, le numéro de téléphone, c'est 243 82 00 199 13. Une minute pour la diaspora, une minute seulement. Un petit conseil, diaspora à Port-Nango, qu'est-ce qui va ressentir pour l'Amboka sur le plan culturel, Bokechu qui prend les devants, les dessus, alors tel est le concert, tout ça. Non. Diaspora, Topé Sibino, merci. Vous avez beaucoup travaillé. La plupart des compatriotes au Lolo ont une responsabilité. Et ça, c'est la diaspora. Bino, c'est un petit cali. Vous se préparez à rapper. Parce que l'expérience, c'est un peu comme ça. Et ça, c'est un peu doute. Mais Bino, c'est un peu comme ça. Vous prendre le temps. Quand on a coyé par un nègre comme ça, ma solo, na ma tongete, ma solo, y a qu'au fingate, mais été, mboka, et ça chantier, et ça a besoin, y a bana nyonso, oh y a Congo, de telle sorte que moi, quand on a mon voisin maele, a reconstruire Yango, kende na Mali,
Kenya na Sénégal, mingi na Afrique de l'Ouest, au moins dans des gens salés. Rien le lot, sauf à Bicac, parce qu'on a budget, à part il y a 4 millions à 5, 4 milliards à 5 milliards, ils ont la diaspora en Bango. La diaspora n'est pas là pour changer. Ni un comportement, ni un esprit, ni la manière de voir les choses. Une expérience au besoin, il y a un peu de temps à travers le monde. Mais, oh, il y a Kofinga, oh, il y a des habits, il y a des choses, il y a Kingasan. Si tu as un peu de changer, tu peux permettre à Bissot, tu peux faire une critique rationnelle, il y a des choses qui peuvent faire, oh, tu peux faire un peu changer, parce qu'il y a une éducation qui est mal à monter. Et puis, je m'adresse particulièrement à Boketu. Boketu Wayambo, c'est un garçon, certainement qui n'a pas été suffisamment à l'école. Mais ce qu'on t'a dit bien, pour Boketu Wayambo, Ndekonangai, Nazandekonayo, Napemwana Mbandaka, de tous les temps, Nasepela, Nabitumbanayo. Obuna bitumba avant que tu kabila koma mobutu azali na pouvoir yoza mongala osaki nzembo moko sala ngola poto ça complexe c'était terrible et de tout le temps na lobanga na bipona nini ngo bazon reconnaître ba pesa ba trophée na batu au moment où ba ko pesa boke tu ayambo trophée té asala makambo depuis tout le temps. Mobutu azali na bon moyen. Asali yango, Laurent Kabila ye, Joseph Kabila ye, Tilelo, président Félix Ayé. Osali musala munene. Vous êtes responsable de la famille. Nandimide, soko zaki mutu moko. Na lobite classe eza eloko moko a gravité. Mais ce qui vraiment ba classe yango eza la même case, nandimide ke. La génération na yo, surtout ma musicien, y compris génération politique, n'a dimité que Moutangaza Ali Bosonaro. Mais vous avez ça, vous avez gardé le leadership, mon roboyé, n'a pas tué, belé, vous avez reconnaître yo. Et là, on est dans la Senga yo. Oui, bien, vous avez ça, yon poundate. Vous avez ça, là, pour les canaux, vous avez boité. Vous avez ça, là, pour le bilobi, vous avez dit que vous avez menacé. Ah non. Il faut que vous ne foutez pas. Vous avez dit que vous ne foutez pas. Mais pas ne foutez pas. Vous avez le droit, vous êtes citoyen congolais. Vous avez critiqué les Camerounais. Vous avez critiqué les solo. Mais tika ko finga. Tika ko finga. Vous avez quitté ce message. Babi na lomboto babi il y a le fond et la forme. Tant que vous avez raison à fond, mais façon de vous présenter problème, ils ont bébé sa raison. Et pourtant, vous avez raison. Et donc, na sengio, sincèrement, ko silikate na denga le biboito, banda ko fingangai, etc. Mais na zolo bango na mote mamoko. Na mwane kanga na ebi yoma mke wosa start ichi ana place na yo kufinga ana tala kaka oya omesana kufinga yoko makuwa msala donc na pesu famille na yo mbote na felicite yo ndengo zo kol sabana na yo ba otanga class lobi lobi na banza Ocha, pe oso che deja mulongo. Mais, kata magamwana ofinga. Kritike pendako, kritike. Pour eza droit na yo. Kritike na proposition pe, ape sa. Proposition, na ba proposition. Mais, moto ale gana sima, ofinga bote, kolinga bongote. Poko finga ngo talaka, eza bienti. Na pe si ya diaspora nyo sombote mbote, na ebi ke, moko yo ça n'est qu'au kabwana bato bazako supporter tel bako lingate ke ba mususu ba lo batel bazo kota na mabilo moko mike nga na za kunate donc souci na biso boza ba diaspora bo travailler dur bo apprendre o eza e pa na biso te ke lobi tango boya
bon, ma défense est belle. On a besoin de vous. Vous avez intervenir et belle bato bazo kunda bango. Grâce Nabino. Tikali suko mayen Nabino. Boye et pas Nabiso. Avec intégrité, avec respect de loi, avec respect des règles de jeu. Yangone, beaucoup aidé biso potoke liboso. Sinon alors sur le contraire salemi, c'est que vous avez différent Nabiso Nabiso te alors. Donc on est ensemble et on va continuer ensemble parce que le Congo nous appartient. Il est à nous, le Congo. Merci. Merci Norbert Yambamba, professeur, à la prochaine occasion. Merci beaucoup. Merci. Abonnez-vous massivement sur Montiri TV. Merci à mon bon Jambé Alain Kabongo. À la prochaine. Très gentil de votre part.